En août 1914, la guerre a éclaté. Et les hommes sont partis croyant tous que la guerre sera courte et qu'ils reviendront bientôt. Fanny, emportée par la passion que Raoul éprouve pour elle, s'est fiancée avec lui. Mais c'est au départ de Marseille, pour le front, qu'elle a éprouvé la peine la plus violente. En septembre 1914, une bataille décisive se déroule sur la Marne. La bataille qui se déroule depuis 5 jours sur la Marne se termine en une incontestable victoire. L'ennemi recule, poursuivi par nos armées. Vive la France! Vive le général Joffre! Vive la France! Vive la France! Depuis le 6 septembre, notre situation militaire s'est complètement transformée. Nos armées, qui s'étaient retirées progressivement devant l'action violente des Allemands, ont, au moment choisi par leur chef, le général Joffre, repris l'offensive sur toute la ligne. La retraite des 23 corps ennemis, plus d'un million d'hommes, poursuivis par les troupes françaises et britanniques, en nombre presque aussi énorme, est aujourd'hui générale. Que Dieu bénisse le général Joffre, madame. Je crois bien que nos garçons vont bientôt rentrer, madame. Je l'espère, Amélie. Ah, ah, quelle bonne surprise! Bonjour. Bonjour. Léonie a fait une grosse tarte aux prunes que nous allons manger ensemble pour fêter l'événement. Je crois que nous pouvons rester dehors, il fait si doux. Qu'en pensez-vous? Ah, je crois qu'il était temps que nous ayons de bonnes nouvelles. Moi qui adore les douceurs, j'avais même plus de plaisir à en manger. J'ai même réussi à arracher Lucie à sa chaise longue, pour la circonstance. Bonjour, ma petite Alix. Comment vas-tu? Comme je ne peux pas embrasser Joffre, tant pis, je t'embrasse, toi. Madame! Madame! Grand-mère est tombée sans connaissance. Oh, mon Dieu. Il y a un monsieur de la mairie qui est venu dire qu'Émile Auguste... Qu'Émile Auguste... dans son lit et puis vous irez chercher le vieux docteur Leblanc et Hans. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma vieille Évangeline? Émile Auguste. Il a été tué près de Meaux. C'était mon filleul. Je crois que vous êtes parent avec les propriétaires de la Touroude. Monsieur le maire y est allé lui-même. C'est le sous-lieutenant Beaupuis. Il a été tué dans les marais de Saint-Gon. Allez-vous aider, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que Angéline est ma sœur de lait? Mais non, je ne le savais pas. Depuis notre enfance, nous ne nous sommes jamais quittés. Je reste près de toi, ma pauvre vieille. Je ne te laisserai pas, tu entends? Je ne te laisserai pas, hein? Le lieutenant Beaupuis a bien mérité ta France, madame. Et voilà le premier feu de cette année qui flambe. Dans les champs historiques qui virent la victoire. Les premières châtaignes qu'on fait griller.
Non, je viens allumer la lumière, je n'y vois presque plus rien. Je vais voir la migraine. 15 13 Mademoiselle, vous avez lu Belle Amie de Maupassant? Oui, madame. Quel homme. Comment s'appelait l'autre? Je vais me servir une autre tasse de thé. La reine, comme des lapins. Non, je veux dire tu reine, pas d'arène. Je continue. Et autour d'Arras, les Allemands n'ont pas nécessairement tenté une percée de nos lignes, espérant s'ouvrir un chemin vers Boulogne ou Calais. Oh, tu as fait tomber de la confiture sur ton celui-là, avec tes serviettes. Continuez, mademoiselle. La bataille des Flandres continue et la lutte se poursuit aussi sur toute l'immensité du front. Vous voyez, c'est tout ça. Dans les plaines d'Arras, sur les plateaux du Santerre, dans les cavernes du Soissonnais, à travers les plaines champenoises, sous les forêts de l'Argonne, dans les bois des côtes de Meuse, c'est par là, sur les terres collantes de la Beuvre, ici, autour du couronnet de Nancy, sur les cols vosgiens, par là, et au premier plan de la plaine d'Alsace, ici. Et où il est, papa? Je crois qu'il est quelque part par ici, au nord de Reims. Et René? Il était en Champagne, et maintenant il doit être dans les Flandres. Je voudrais que ça dure assez longtemps pour que j'y aille aussi à la guerre. Alors, ne dites pas ça, monsieur Julien. Moi, je suis sûre que la guerre sera finie pour Noël. Le bon Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait des hommes qui souffrent et qui meurent le jour où Jésus est né. Vous avez bien entendu ce que mademoiselle a lu? La grande ruée allemande, dirigée le 5 novembre contre notre front au sud d'Ypres, avait été contenue d'abord, puis repoussée. Venez voir, maman, mademoiselle nous explique les batailles. Du calme, les enfants, du calme. Blanche, viens avec moi, je te prie. Assieds-toi là, Blanche. Il faut être courageuse, Blanche. René a été tué près d'Ypres, en Flandre. Il a été cité à l'ordre de l'armée pour son comportement courageux. Tu recevras sa décoration des mains du maire. On peut la garder. Alors, ne te laisse pas aller. Taisez-vous. Je te libère de ton travail pour ce soir. Pauvre René. Tout seul là-bas. Tu fêteras pas Noël? Je voulais tellement te consoler d'avoir eu peur. J'aurais tellement aimé te consoler d'avoir vu tout ce que tu as vu.
tellement rire. Tu mangeras plus jamais le lapin au chou que tu aimais tant. Ni les choux à la crème. Ni les crêpes à la confiture. Puis l'amour au nez, tu le feras plus jamais. Entrez. Tu peux te reposer ce matin, Blanche. Je ne t'ai pas appelée. Je suis venue vous habiller, madame, et puis je vais partir. Explique-toi. Je veux pas rester ici. Je veux pas être domestique, ça sert à rien. Je veux servir à quelque chose. Et à l'usine, à Villedieu, ils embauchent pour faire des obus et puis tout ça. Ils ont besoin de monde. Il faut bien qu'on la gagne, cette guerre. Il faut bien que tous ceux qui sont morts soient pas morts pour rien. Je ne peux pas te retenir. Si tout le monde fait comme toi, nous serons dans de beaux draps. Si je dois faire le ménage, qui fera marcher la fromagerie? Enfin, je pense que tu pourrais réfléchir quelques jours. Non, madame. Je sais que les salaires des ouvriers dans les usines de matériel de guerre sont plus importants que ce que je te donne. Je suis prête à te payer davantage, si par hasard c'est cela qui te détermine. C'est pas une question d'argent. Adieu, madame. Quel petit imbécile. Les premières lignes allemandes ont été enlevées par la 4e armée. Elles sont contre-attaquées. Il veut qu'on sorte des tranchées, le maréchal, et qu'on se remette en mouvement. Il en a donné l'ordre à tous les commandants d'armée. Mais les choses sont déjà arrivées. Oh, quelle chaussette. Avec quoi tu le fabriques, Gobert, poison? Et combien de temps ils vont nous laisser ici? On va pas tarder à y retourner. T'as des courriers de chez toi? Eh oh! Eh oh! Du four, viens par ici! Wifar a quelque chose à te demander. Minute! Je montre à ce pauvre gosse qu'il ne sait pas jouer à la manille et qu'il ferait mieux de ne pas essayer de jouer avec des vrais hommes. Ça chauffe par là. T'entends ce qui tombe? Fanny, je ne comprends pas ce que veut dire ce silence. Je n'ai toujours pas de lettre de vous. J'en ai reçu deux de chez moi ce matin même. Je ne peux pas croire que la poste n'égare que vos lettres. Je me demande pourtant si je ne préfère pas ne pas recevoir de lettres de vous, plutôt que de lire vos petites missives impersonnelles et anodines. Et ben, qu'est-ce que tu fous là, mon vieux? Je suis au repos. Et toi? Eh ben moi, 35e territorial, adjudant du bataillon, je reviens de permission. Tu reviens de Paris? Oui. Ah, mon vieux, eux et nous, on vit sur une autre planète. Quand je lis leurs journaux, j'en suis malade. Mais même quand je lis leurs lettres. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe ici. Et puis surtout, ils s'en foutent. T'es parti quand? Bah presque depuis le début. Oh, bah tu verrais ce que ça a changé. Les vieux ont rajeuni de 20 ans, les jeunes, eux, ils ont vieilli. Et bah c'est eux les hommes maintenant, les vieillards et les gamins. Et puis les planqués aussi. Et les femmes? Oh, bah les femmes, elles vivent sans nous, les femmes.
Elles conduisent des taxis, des autobus, elles vont au café, au restaurant, elles s'occupent des affaires de leur mari. Berger, tu veux que je te dise, quoi qu'il arrive, les hommes ont perdu la guerre. Les Boches comme les Français. Tu comprends? De cours! Oui? Va au QG, il y a une visite pour toi. Ça doit être ta cousine. Merci. Votre cousin, mademoiselle. Je vous laisse. J'ai pas mal de relations dans le haut commandement, ça a été assez facile pour savoir où tu étais. Ils sont pas très généreux avec les sauf-conduits, mais quand on sait à quelle porte frapper, ça s'arrange. C'est pour toi. Merci. Ça me glace, cette salle d'école. Ça me rappelle mon enfance, c'est pas très gai. On est plusieurs. Faut quand même pas manger du foie gras et boire du champagne ici. Ça serait gâché. Il y a un hôtel. Un de mes camarades y a loué une chambre hier. Il peut pas y croire. Tout à l'heure, je me dirais, t'as rêvé, ma fille. C'est ton imagination qui divague. Tu l'as pas vu, Raoul. Tu l'as pas vu, tu le verras jamais plus. On va à cet hôtel, ou pas? On y va. Il y a longtemps, vous s'est battu dans ce patelin? Quelques semaines. Je m'en fous. Je m'en fous que ça soit sale et triste ici. C'est la première fois de ma vie que je tenais des aiguilles à tricoter. L'intention y était. Merci. Bah, tu l'ouvres, la bouteille? Ça t'a surpris de me voir là, hein? À Deauville, tout sait, tu le sais. Mais j'ai appris que tu étais amoureux de ta cousine, quelque chose comme ça. Je me suis dit grand bien lui fasse. J'ai compris pourquoi je te voyais plus et puis je venais faire Paris, ma folie. Et puis je t'ai oublié.
Puis il y a quelques semaines, une nuit, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que tu étais blessée. Puis dans mon rêve, tu sais comment c'est dans les rêves, là je t'aimais. Puis je pleurais, moi qui ai un cœur de pierre. Quand je me suis réveillée, j'avais comme une tendresse pour toi. J'ai envie de te revoir. Avec cette guerre, c'est pas ce qui peut se passer. Il y a longtemps que t'as pas vu de femme, non? Oui. Ben alors, regarde-moi. Je suis seul, chambré. Je m'en fous. Sûrement des punaises dans ce lit. Tu t'en fous aussi? Oui. J'ai pas toujours été une princesse. Puis j'ai pas toujours fréquenté des princes. Bon. Non, ne buvez pas si vite, sinon je vous en donne plus. C'est cette sacrée fièvre. Vous êtes moins chaud qu'hier. Vous allez voir qu'elle a bien baissé. Où il est le petit sous-lieutenant du 12e dragon? Il n'allait pas fort hier soir, mais je pensais pas que ça irait si vite. Moi non plus. À ce soir. Ne vous agitez pas aujourd'hui. Soyez bien sage. Écoutez-moi, cette gamine qui pourrait être ma fille. Si on me dit que vous vous êtes énervée, je ne resterai pas près de vous cette nuit. Allez, filez, ma petite. Je sens que vous êtes au bord de m'énerver terriblement. Vous devriez laisser la garde de nuit pour quelque temps. Non, j'aime bien être là avec eux la nuit. Alors courez vite dormir, ma chérie. Bonjour. Bonjour, madame le docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, madame.
madame. Oh, tu sens l'hôpital. Tu t'es lavé les mains? Avant de quitter l'hôpital, maman. Il y a quelque chose pour moi? Devant ton couvert. Et vous, maman, tante Alix, qu'est-ce que vous avez reçu comme nouvelle ce matin? J'ai reçu une lettre de ton père. Je te la lirai. Moi, j'ai une lettre de mon filleul, avec sa photo. Assieds-toi, mon petit. Oncle Gabriel n'est pas descendu. Non, il est encore couché. Il lit je ne sais quelle sottise. Faites voir la photo, ma tante. Il a une bonne tête de paysan. Le petit sous-lieutenant du 12e dragon est mort cette nuit. Et ton ami, le sergent du 25e d'infanterie? Je crois qu'il va mieux. Il avait mis à moins une fièvre ce matin. Vous me lisez la lettre de papa, maman? Et le jeune Raoul? Qu'est-ce qu'il écrit? Il paraît que certains de ses camarades ont reçu la visite de leur femme, ou de femme tout court. Et alors? C'est tout. Il y a 3 lignes. Certains parmi mes camarades ont reçu ces jours-ci la visite de leur femme ou de femme tout court. Nous repartons tout à l'heure vers le front, Raoul. Il veut dire par là que je ne l'aime pas vraiment. Tu l'aimes comme tu peux et s'il n'est pas content qu'il aille voir ailleurs. Alix, ne parlez pas ainsi. C'est un soldat. C'est peut-être un soldat, mais c'est un petit emmerdeur. J'aime bien mieux son frère, si on me demande mon avis. Il y a presque 9 mois que je ne l'ai pas revu. Quelquefois, j'ai du mal à imaginer sa figure. Quelquefois, je ne sais pas si je l'aime ou non. Mais je ne peux pas écrire ça. Et tu as bien le temps de penser à tout ça, mon petit. Lis-nous la lettre de Charles, Lucie. Mes chéris, pour le moment, ici, tout est calme. À droite, cela chauffe. Nous suivons la bataille à distance. Nous dormons dans une grange et les repas sont corrects. Envoie-moi une boîte à mieux. Cassoulet ou andouillette. Cela me fera plaisir. Mais ne m'envoie plus de lainage, j'en ai trop. N'oublie pas que je n'ai pas d'armoire pour ranger tout cela. Mes chéris, si vous saviez comme vous me manquez toutes terriblement. Il va bien, c'est le principal. Tu nous raconteras les détails plus tard. Moi, je vais à la cidrerie. Je vais me laver et dormir. Est-ce que vous avez lu le journal, maman? Est-ce que je peux le prendre? Oui, oui, prends-le, ma chérie, prends-le. Alex m'a dit que vous étiez là. Je suis passé voir mes vieux, je me suis rafraîchi un peu et puis je suis venu vous saluer, tous. Ah, que je suis contente de vous voir. Vous savez que vous êtes le premier homme de Feuilleforte à revenir en permission? C'est ce que m'a dit Léonce. Il faut que j'aille me rafraîchir, moi aussi, je sors de l'hôpital. Est-ce que vous voulez m'attendre un peu ou bien vous préférez revenir demain? Je vous attends. Asseyez-vous près du feu. Il fait froid ce soir. Annette va nous apporter des cerises à l'enduit. J'ai pris l'habitude de boire quelque chose de fort en rentrant de l'hôpital. Par les blessés que nous côtoyons, nous savons toutes déjà
que les lettres et les journaux donnent un reflet bien pâle de la réalité. Parfois mensonger. Oui. Vous avez changé. Oui. Ce qui me paraît le plus incroyable, c'est qu'ici rien n'a changé. Quand on est là-bas. On ne peut pas imaginer que les gens vivent comme si on n'existait pas. Comme si la guerre n'existait pas. Nous savons qu'elle existe, hélas, je vous assure. Vous le savez dans votre tête, mais pas par vos pieds qui vous font mal. Pas par le froid. La peur. La boue. La saleté, la mort partout. Nous, la guerre, on la vit tous les jours et toutes les nuits. Dans notre corps qu'on voit toutes les couleurs. Et aussi dans notre tête. Parce qu'on sait bien qu'ailleurs la vie, elle continue. Sans nous. Je ne sais pas quoi dire. Posez ça là, Annette. Merci. Et ici, comment ça va? Pas très bien, malgré tout. D'abord, tous les chevaux ont été réquisitionnés. Enfin, ça c'est plutôt un souci de moi, parce que je ne sais pas qui s'en serait occupé. Puis avec le moratoire des loyers, nos affaires immobilières ne rapportent plus rien. Il faut donc que Feuilleforte suffise à faire vivre tous ses habitants. Ce n'est pas si facile. Je reste 10 jours. Je vais voir ce qu'on peut faire pour que vous ayez le moins de difficultés possible. Ah, je me sens tellement réconfortée que vous soyez là. Je n'ai pas du tout été élevée pour être une fermière. Je le regrette, je vous assure. Quand je vous ai vue tout à l'heure en costume d'infirmière, je me suis dit que ça me plairait d'être blessée pour être soignée par vous. Oh, Armand. Je vois avec plaisir que la guerre ne vous a pas rendu plus sérieux. Vous êtes toujours un incorrigible séducteur. La guerre, ça nous fait pas penser moins à l'amour, madame. Ça nous y fait penser davantage. Je vais dîner. Pardon, mais j'ai très faim. Nous nous verrons demain, n'est-ce pas? C'est ça. De Jéroboam hier. Ce matin, ça va mieux. Ah, tant mieux. Je m'apprêtais à aller en ville à bicyclette. Je peux vous conduire si vous le permettez. Comme ça, je pourrais garder la carriole. Je vais monter près de vous pour bavarder un peu. C'est vraiment gentil de vous être levé si tôt pour m'accompagner. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Annette m'a dit que Madame de Cour ne va pas trop bien. Non, elle ne descend pratiquement plus à table. Depuis que la mort d'Émile Auguste, depuis qu'Évangeline est tombée malade, on a l'impression qu'elle s'affaiblit. Elle reste rieuse, comme toujours. Mais on sent au fond une grande lassitude. Ça me fait du bien de parler avec vous. Et je suis contente aussi que vous conduisiez Jéroboam. Avec vous, il semble docile. Avec moi, c'est une vraie tête de mule. Regardez les traces de notre combat quotidien. Vos mains ne sont pas faites pour ça, madame. À quelle heure voulez-vous que je vienne vous chercher? À 3 heures. À tout à l'heure. Oui. Allez, au jus là-dedans. Sent bon. Bonjour.
Bonjour, vous avez pu dormir, lieutenant? Oh, pas bien. C'est pas tant la douleur que la peur qu'on me coupe la jambe. Mais quelle idée? La fièvre a monté. Si on devait couper la jambe à tous les gens qui ont de la fièvre, le monde serait peuplé de cul-de-jatte. Soyez raisonnable, lieutenant. Le courrier n'est pas encore arrivé? Il n'arrive qu'à 9h, vous le savez bien. D'ailleurs, vous avez reçu un gros paquet de courriers hier. Après le café, nous répondrons à toutes ces lettres. Hein? Il n'y avait pas de lettre d'elle hier. Ni avant-hier, ni depuis que je suis là. Nous allons lui écrire une lettre bien sentie, je vous le promets. À tout à l'heure. Calme. Vous entendez le bruit que fait la pluie sur la capote? Oui. Vous êtes fatigué? Triste surtout. Il y avait un jeune lieutenant à qui on a coupé la jambe. Il suppliait, c'était tellement triste. Détendez-vous. Oubliez l'hôpital. Écoutez la pluie. Vous vous méfiez de moi? Vous croyez que je vous fais du mal? Non. Appuyez-vous sur mon bras. Il y a trop longtemps que vous n'avez personne sur qui vous appuyer. Et cela date de bien avant la guerre. Vous devriez essayer de vous nourrir d'autre chose que de chocolat. Maman me disait déjà ça il y a 60 ans. Entrez. Je viens vous dire au revoir, madame. Je pars par le train de 5 heures. Au revoir, Armand. Nous avons été très contentes de vous avoir dans la maison. J'espère que tout ira bien. Et j'espère que vous serez complètement rétabli la prochaine fois que je viendrai. Je vais vous faire une confidence, Armand. Je laisse croire que je suis malade, mais j'ai toujours été une horrible paresseuse. Avant, je me contraignais. Maintenant, je me laisse aller. C'est tout. Allez. Au revoir, madame. Je vous accompagne. J'ai quelque chose à vous donner. Ne descendez pas. Disons-nous au revoir ici. Annette, vous êtes donné le paquet? Oui, merci. Au revoir. Claire. Au revoir. Et ne laissez plus Jéroboam vous fuir la loi. Je sais.
Qu'y a-t-il? Rien, rien. Vous êtes insupportable. Oh, que je suis contente de vous voir rire. Vous aviez l'air si lasse de tout ces jours-ci. Et votre gaieté me manque. N'essayez pas de me faire croire que vous avez trompé Henri pour me faire rire. Je ne vous croirai pas. Et elle rougit. Comme vous êtes jeune encore. Heureusement que je suis tombée sur vous. Hein. Ça faisait une heure que j'étais devant la gare, pas moyen de trouver quelqu'un pour m'accompagner. Ah, les gens n'ont plus guère de chevaux par ici. Bah, je m'en suis aperçue. Alors, mademoiselle Georgette, on vient respirer l'air de la mer? On en a assez de l'air de Paris? J'en ai surtout assez des taubes. Vous savez ce que c'est que les taubes? C'est des avions, monsieur Léonce. Ils bombardent Paris depuis début mars et ça me rend nerveuse. Y a quelqu'un? Y a personne, tant mieux. J'avais juré de plus remettre les pieds ici et puis me voilà quand même. Vous avez des permissionnaires en ce moment, Feuillefort? Y a M. Armand qui vient de repartir et puis on attend M. Raoul. J'ai d'abord pensé m'installer à l'hôtel, à Trouville. Puis je me suis dit que ce serait pas raisonnable de jeter l'argent par les fenêtres, vu que j'ai de la famille ici. Ah oui, puis votre mère sera sûrement bien heureuse de vous avoir un peu avec elle. Heureuse, ma mère. Elle connaît pas ce mot-là. Elle n'a jamais su que peiner et souffrir. Il y a 5 ans, j'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie d'ici. Pour pas devenir une pauvre créature comme ma mère. Bon, je vais descendre vos bagages et puis je vais me sauver, hein, mademoiselle Georgette. C'est ça, au revoir, monsieur Léon. Au revoir. Bonjour, madame Pommier. Bonjour, Léon. Tu vois, maman, me voilà de retour. Il y a longtemps que t'as des cheveux gris comme ça? Je sais pas, j'y ai pas pris garde. Tu veux pas de moi ici? C'est toi qui es partie. T'as pas mise dehors? Oh, avec la guerre, tout ça, j'ai envie de revoir ma famille. On change, hein, vieillissant. J'ai un peu de sous. Je t'aiderai tant que je suis là. On n'a pas besoin qu'on nous aide. T'es pas plus rieuse qu'avant, hein, maman? Tu veux une cigarette, maman? Non. Rien dit à Fanny. Rien. Rentre, mon chéri. Attendez. Ma mère m'a dit que vous quittiez l'hôpital à 7 heures. Je vous attends ici depuis 1 heure. Où étiez-vous?
La guerre ne vous a pas changé. Vous êtes sûrement le seul permissionnaire dont la première phrase soit si peu aimable. Les autres le pensent, même s'ils ne le disent pas. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Qui as-tu rencontré? À qui as-tu parlé? As-tu pensé à moi? As-tu oublié? En aimes-tu un autre? Aimes-tu encore? Raoul! Ce n'est rien. Je n'ai pas dormi cette nuit. C'est tout. Vous êtes fou. Nous allons nous marier. Nous allons nous marier avant que je reparte. Mais... Je n'attendrai pas la fin de la guerre. Vous ne voulez pas? Ne restez pas muette comme une carpe! Mais qu'est-ce que cela change que nous soyons mariés ou pas? Ne faites pas la bucasse! Vous me brusquez trop. Laissez-moi me réhabituer à vous. Je veux refaire connaissance avec vous. Les femmes sont des jolis papillons. Rien de plus. Vous êtes incapable de m'aimer comme je vous aime. Je ne prétends pas vous aimer comme vous m'aimez. Je ne prétends pas vous aimer du tout. Arrêtez. Je ne veux pas vous faire de peine. Vous êtes fatigué. Reparlons de ça dans quelques jours. Je ne pourrai plus le supporter. Là-bas, au fond, j'ai plus peur de vous perdre que de mourir. Des nuits entières, je vous imagine avec d'autres. Avec quels autres? Tous les autres aussi sont au front? Si vous ne voulez pas m'épouser maintenant, je m'exposerai au feu dès mon retour au front. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Je vous le dis. Fanny. Regarde, Nini. Il y a du soleil. Ça me démange d'aller dehors. Bougez pas, mademoiselle Fanny. On va réessayer dans 5 minutes. J'aurais très bien pu la mettre comme elle était, cette robe. Elle n'était plus à la mode, vous le savez bien. Le temps de votre maman et le vôtre, c'est pas le même. C'est le premier jour où on peut dire qu'on est au printemps. Il fait un temps délicieux. Je sais, et Léonie m'enferme ici. Oh, mon pauvre petit. Ma tante, oui. Il faut que je vous demande quelque chose. Quand je serai la femme de Raoul, il faudra que j'habite à Feuilleforte. Mais bien sûr. Et voilà. Je n'y avais pas pensé. Ça m'est venu tout à l'heure. Je ne veux pas. Quand Raoul repartira au front, je reviendrai à la maison. C'est tout. Dis-moi une chose, mon petit lapin. Je voudrais être sûre que tu ne confonds pas l'amour assez insensé que ce garçon a pour toi avec celui que tu n'as peut-être pas pour lui. Je ne peux pas le laisser repartir au front malheureux. S'il mourait, j'en aurais des remords toute ma vie. Oui, 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 oui. J'ai tant de peine et de tendresse pour lui quand je le vois si pâle. Quand je pense à tout ce qu'il a vécu et à tout ce qu'il attend, je ne peux pas moi aussi le faire souffrir. Je crois que nous, les femmes, nous devons essayer de donner du bonheur à nos soldats. Oh, c'est beau ce que tu dis là. C'est aussi patriotique qu'un article de l'Illustration. Allez, on essaye. Après, vous pourrez aller gambader. Hourra! Bonjour, mademoiselle.
Ça fait un bon moment que je vous guette. Hein. Je craignais que vous ne sortiez pas. Je m'excuse de vous aborder comme ça. Je sais pas où je vais aller, jusque chez vous. Il faut que je vous parle. Oui. Vous allez épouser monsieur Decourt, monsieur Raoul de Feuilleforte, n'est-ce pas? Oui. Non. Non, il faut pas. Non. Une jeune fille comme vous, il faut pas. Cet homme, il m'a perdue, mademoiselle. Il m'a séduite. Il m'a fait tout quitter. Il a voulu que je reste ici, dans ce trou perdu, pour être près de lui. Il m'a fait quitter Paris, ma vie, mes amis. Et je l'ai fait. Oui, je l'ai fait parce que je l'aime comme une folle. Je ferai tout ce qu'il me demanderait. Mais ça, il n'a pas le droit de vous le cacher. Il ne faut pas qu'il vous trompe. Vous n'allez pas l'épouser après ça, hein, mademoiselle? Je vous ai écouté. Au revoir, madame. C'est pas possible que vous l'épousiez, mademoiselle. J'en mourrai. Je vous en prie, madame. J'en mourrai, mademoiselle. J'ai que lui, moi. Et je porte son enfant, mademoiselle. Je porte son enfant. J'ai rencontré une femme rousse aux yeux verts qui m'a dit qu'elle avait tout quitté pour vous et qu'elle portait votre enfant. Est-ce vrai? L'avez-vous cru? Répondez-moi. Me croirez-vous? Oui. Cette femme est une femme galante, une demi-mondaine. Si vous savez ce que cela veut dire. Je sais. J'ai fréquenté cette femme avant de savoir que je vous aimais, comme beaucoup d'autres parmi mes camarades. C'est tout. Cela vous choque? Non. Si elle attend un enfant, une foule d'hommes sans doute peut prétendre à la paternité. Mais pas moi. Me croyez-vous? Mais pourquoi m'a-t-elle parlé? Je ne sais pas. Elle vous aime? Je ne veux pas le savoir. Sûrement elle vous aime. Pour agir comme elle l'a fait. En se jetant à genoux devant moi, elle a déchiré sa robe. Elle ne l'a même pas remarqué. Rien n'est changé, n'est-ce pas? Vous ne doutez pas de moi. Je ne peux pas empêcher qu'on vous aime. Qui d'autre vous aime encore? Autant que je sois prévenue d'avance. Vous n'êtes pas du tout jalouse de moi, n'est-ce pas? Non. J'aurais aimé que vous le soyez un peu, quand même. Eh bien, c'est comme ça. Vous dites que vous m'aimez. Et je vous crois. Parfait. Maintenant, rentrez chez vous. Je vous y retrouverai un peu plus tard. Je dois passer en ville voir le maire. Bien. Après la guerre, je m'arrangerai pour vous rendre folle de jalousie. Ça, je vous le promets bien. Y'a quelqu'un? Oui. Mademoiselle, voulez-vous danser? Les cacos, commencez. Tu as reçu mon billet? Je t'en ai envoyé 5. Je commençais à désespérer. Écrit. Mademoiselle, je vous supplie de me pardonner. Mais plus doucement. Je ne sais pas écrire vite. Je vous supplie de me pardonner. Je savais que ça te ferait venir. À la jeune fille, je lui ai dit la vérité pure. La vérité pure. J'ai tout quitté pour toi. J'ai quitté Paris.
J'ai quitté mon appartement de la rue du Bac. J'ai quitté ma position et tous mes amis. Je suis venue pour être là à tes retours en permission. Taisez-vous. Je t'aime. Je t'aimerai tant que je vivrai. Taisez-vous. Ce que vous me dites me fait horreur. Asseyez-vous et écrivez cette lettre. Je ne veux pas. Vous allez l'écrire. Non. Il ne m'en voudrait pas plus. Si c'est pas aimé, c'est jeune fille comme il faut. Comment pourrait tout me faire, tout me dire? Je t'aimerais pareil, encore plus. Embrasse-moi et je t'écrirai. Mademoiselle, je vous supplie de me pardonner. Je n'ai pas vu Monsieur Raoul de Cour depuis avant la guerre. Rien n'est vrai dans ce que je vous ai dit. Je vous ai menti. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, Dora. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Tu as entendu? Mademoiselle, voulez-vous danser? Le Monsieur Marcel, ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour, Léonce. Laissez-moi prendre votre sac. Non, merci. Ben vous espérez hier au soir. En ce moment, tout le monde est à l'église. C'est pour ça que je suis tout seul pour vous accueillir. Ça fait rien. Je vous amène directement à l'église, si tu veux. Il vaudrait peut-être mieux avant que vous passiez à la maison pour vous rafraîchir un peu. Très bien.
Si vous venez pour la noce, elle est finie. Bonjour, Georgette. Merci du renseignement. De rien, monsieur. C'est un plaisir de renseigner son voisin quand on le peut. Elle a l'air dérangée, là, Georgette. On dirait qu'elle m'a pas reconnue. Bon, allez, en route, monsieur Marcel. Le repas de noces, c'est au rouloir. Bouche à oreille, comme on dit. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pu arriver hier. Il est bien pas lourd, ce cher garçon. Comme je suis heureuse de cette occasion qui nous réunit ce soir. Tous, sauf Louis. Je voudrais tant que ma belle-mère soit... Heureux de vous voir, cher garçon. Elle est toujours si vive, si rieuse. Mon cher Marcel. Mon cœur se brise. Le mien aussi, merci, je vous assure. Mon petit Marcel. N'oublions pas non plus aujourd'hui ceux qui ne reviendront plus. Et qui... Merci, ma chère Clara. Je n'oublie jamais Paul. Il est prêt de moi. Apportez l'entrée à monsieur Marcel. Je le sens pas, s'il vous plaît. Bonjour, vous. Je pense qu'il se réjouit de ce mariage. Comme Marcel semble absent. Vous voyez, chère Clara, vous n'aviez aucune raison d'être inquiète. Bonjour, monsieur. Il est là, votre enfant. Ils sont là tous les deux. J'en suis si heureuse, si vous saviez. Je n'arrive pas à y croire. Croyez-y. Viens t'asseoir là, mon chéri. Il faut croire aux choses heureuses et les apprécier. Et lui raconter le reste. Ça va te changer de ton ordinaire. Aujourd'hui, pas de singe, pas de riz, pas de lentilles, pas de faillot. Robert, continue ton histoire. J'étais en train de raconter une de nos folles soirées chez Gabriel Voisin. Tu as entendu parler de la maison du boulevard Lannes? Non. C'est là que beaucoup d'aviateurs se réunissent lorsqu'ils sont en permission. Il y a quelque temps, nous étions là. Il y avait Nagesser, Garros, Ademar, Léon et Robert Moran, à peine guéri son accident. On était entre soi, avec quelques amis. Nous avons si bien dîné et si bien bu que vers minuit, nous faisions un vacarme terrible. Les fenêtres étaient ouvertes. Soudain, toc toc. Trois messieurs se présentent. Des policiers. Ils nous annoncent qu'on est en état d'alerte aérienne et que le tapage et les lumières qui viennent de nos fenêtres doivent guider l'ennemi avec sûreté et sans faiblesse. Et Nagesser se lève. Vous avez déjà vu les photos de lui? Oui. Bref, il a circonvenu ces braves gens comme un prince. Il leur a offert à boire et au petit matin, après une nuit agitée, c'était les dames qui avaient sur le dos les uniformes de ces messieurs de la police qui, eux, n'en portaient plus. Il faut voir Nagesser arriver le matin ici, le Molino, vers 4 heures, dans sa voiture sport. Il descend, sa canne à la main. Il est encore en jaquette, un cigare à la bouche, une écharpe de soie autour du cou, un dernier baiser à la tigresse qui est dans sa voiture, et il va vers son zinc. Je veux absolument avoir un filleul qui soit un aviateur. Ah, mais c'est si difficile. On se les arrache, mon petit loup. Il est vrai qu'il y en a que pour eux. Il faut voir comme les femmes les regardent, au Café de la Paix, par exemple. J'ai entendu dire qu'on rencontre parfois Nagesser chez Maxims. Bien admettre que les aviateurs sont les seuls à avoir sauvegardé le confort de la civilisation dans la guerre. On vit très bien dans l'aviation. Par contre, on meurt beaucoup plus vite. Dis pas ça, je t'en prie. On meurt assez bien partout, mon cher fils. Malheureusement. Arrêtez. Charles, je vous en supplie. Tu n'as rien mangé, mon cher. Vous laissez ça à plaisir tous les deux, le mariage de Fanny. En tous les cas, le ciel, lui, est à la fête. C'est une journée superbe. C'est horrible. Si vous saviez, quelle horreur. Je sais, mon chéri. Ici, rien n'a changé. Le printemps est revenu. Les hommes sont dans la boue nuit et jour. Les cadavres des Allemands et des Français se mélangent. Se superposent. S'unissent. Et nous marchons sur cet amalgame de corps en morceaux.
sais même pas combien d'hommes j'ai tués. Mais je sais combien de mes camarades ont été tués à côté de moi. Je suis fatiguée, maman. Allonge-toi. Dors, maman. L'union sacrée. Je n'ai pas assassiné Jaurès. Lui, il savait. Les salauds. Attention, ça tombe. Garde-toi, Meunier. Non, Raoul. Vous devriez avoir envie de rester dans un cadre où tout vous fait penser à moi. Ainsi, vos derniers mots avant notre séparation sont un refus à ce que je vous demande. Nous avons parlé de cela bien avant aujourd'hui. Il ne fallait pas en reparler avant votre départ. Mes derniers mots, ils étaient différents. Est-ce normal que nous nous disputions dans un moment pareil? Pardon. Non, mais je n'en suis pas responsable. Pardon. Ah oui. Je ne veux pas que nous nous discutions. J'irai tous les jours dans votre chambre, je vous le promets. Mais laissez-moi dormir près de ma mère, je vous en prie. Et ne soyez pas fâchés contre moi. Raoul, vous devriez monter dans le train tous les deux. Écrivez-moi tous les jours. Oui, tous les jours. Thank you.
Enlevez-moi vite ça, mademoiselle Fanny. C'est qu'on sent déjà l'hiver qui pointe, hein, ce matin. Je vais mettre votre cape à sécher devant le feu. Vous feriez bien de venir réchauffer 2 minutes avant d'aller faire votre classe. Vous n'aurez pas chaud là-dedans ce matin. Et comment va Monsieur Vernet aujourd'hui? Pas fort. Je pense pas qu'il puisse reprendre ses classes. À son âge, avec son fils qui est mort, tout ça, ça lui a pris ses dernières forces. Mon Dieu, que vous êtes palote. L'école et l'hôpital, c'est trop pour une petite jeune femme comme vous. C'est votre fille? Oui. J'ai reçu cette photo ce matin, avec une lettre. Il me semble que je la connais. Oh, c'est même possible, elle était domestique à Feuilleforte. Après son mariage, elle a servi à la Touroude. Et puis, quand son mari est mort, elle est rentrée à l'usine, à Villedieu. Puis après, elle s'est engagée comme infirmière. Ah oui, elle s'appelait Blanche. C'est ça. Elle a beaucoup de courage. Est-ce que vous pourriez vous poser de moi un moment? Je vois plus clair. Oui, débarrassez-vous de ça. Allez dormir. Merci. Si vous avez besoin de moi... Oui, oui, bien sûr. Allez, mon fils. Trois jours, vous lui donniez à peine à boire. Et aujourd'hui, il a bu tout ce qu'il a voulu. Pourquoi? Chut, ne t'agite pas, mon petit. Essaie de dormir au lieu de poser toutes ces questions. C'est qu'il va mieux. Ou c'est qu'il va crever, de toutes les façons. Tu me fais penser à un garçon que j'ai connu avant la guerre. Il s'appelait Émile Auguste. Il était toujours à poser 1000 questions comme toi. C'était votre bon ami, cet Émile Auguste. Ça te regarde pas. Eh bien moi, j'ai jamais eu de bon ami. J'ai jamais vu l'expression que ça a une femme qui vous aime. La tête qu'elle fait quand on la prend dans ses bras. Tout ça. Et maintenant c'est foutu. Je le verrai plus. Un bandage sur les yeux, mais c'est toi qui sais le mieux tout ce qui se passe ici. Quand une femme t'aimera, tu sentiras son amour mieux que bien des gens qui y voient. Voilà ce que je pense. Allez, je m'en vais maintenant. Sinon, tu vas bavarder toute la nuit. Dors. Bonsoir.
Bonsoir, mademoiselle Blanche. Vite, mademoiselle, vite. Vous ne servez pas à grand-chose dans l'état où vous êtes. Vous allez prendre quelques jours de repos. Les hommes ont des permissions. Vous allez en prendre une aussi, ma fille. Vous allez faire un petit tour chez vous. Je ne veux plus vous voir ici, j'ai compris? Oui. Allez, préparez vos affaires et partez. Je ne partirai pas. On vient d'amener quelqu'un de mon pays. Où est-il? Là-bas. Bon, allez-y, je vous rejoins. Chance de s'en sortir. Mon gardien, emmenez-moi ce gars-là. Je vais essayer de recoudre les morceaux. On verra bien. La fièvre ne baisse pas. Il faut drainer la plaie. Regardez-moi toute cette saloperie. Hein? Je crois que la fièvre a un peu baissé. Je souhaite que vous ayez raison, mais j'en doute. Nous verrons demain. Posez-vous, monsieur. Nous aurons tout le temps de nous parler plus tard. Blanche avait raison, ça a un peu baissé. Blanche. N'en pouvait plus. J'ai envoyé dormir. Voici mademoiselle Brunet qui va s'occuper de vous aujourd'hui.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Blanche. Ça fait déjà un mot de plus qu'hier. J'ai cru que je faisais un rêve. Quand vous m'avez vu, vous voulez dire? Oui. Ça, vous aviez l'air rudement surpris. Non, je suis pas un rêve. Tiens, je suis vrai. Où sommes-nous? Dans l'église de Froméréville. Froméréville? À une dizaine de kilomètres de Verdun. Ah. Vous avez été touché vers Louvemont. Ah oui. Comment ça va là-bas? Nos petits gars se défendent pied à pied et reprennent du terrain. Mais vrai. C'est drôle qu'on se retrouve ici tous les deux. Voilà votre premier repas. Un peu de bouillon. N'ayez pas trop de boutons. J'ai pas très faim. Il faut en prendre un petit peu. Ça va, c'est pas trop chaud. Clémence m'a dit que vous étiez à la fabrique d'obus de Villedieu. Mais j'y étais, c'est vrai. J'ai même une photo, je vous montrerai. Au début, ça m'a bien plu. Le travail était dur. Le soir, on en avait mal au bras tellement c'était lourd à bouger tous ces obus. Mais j'avais des camarades. Et le soir, une fois le travail terminé, j'étais libre de faire tout ce que je voulais. Le dimanche, on allait se promener. On faisait même des pique-niques. Ah, on arrivait à bien rire, malgré tout. Allez, une gorgée avant que je vous dise la suite. Bouillon qui vous monte à la tête, monsieur Hera. Racontez. C'est très simple. Un jour, je me suis dit que j'en avais assez de fabriquer des engins qui tuent. Je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant, mais moi, je crois qu'avec tous ces événements, il y a des choses que je comprends, que je comprenais pas avant. Je crois que je suis moins bécasse qu'avant. Par exemple, sans vous fâcher, je pourrais pas revenir en arrière et recommencer comme domestique. Mais il dort, ma parole. Moi, je cause toute seule.